Bonsoir à tous, très chers frères et sœurs, vous qui nous suivez. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Yahushua. Voilà, c'est encore une joie pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de passer et de partager un message de la part du Seigneur avec vous. Nous espérons que vous allez bien chez vous, que le Seigneur vous garde, vous et vos familles, dans ces temps difficiles où le coronavirus ne cesse de faire de ravages dans le monde entier et notre pays n'est pas en marge de tout ce qui se fait. Donc voilà, sans plus tarder, euh, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu es digne, tu es grand, tu es roi, tu es majestueux, tu es miséricordieux. Qui est comme toi, Seigneur Qui est semblable à toi, Seigneur Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Sois glorifié pour tout ce que tu fais au nom puissant de Yahushua. Amen. Voilà, frères et sœurs. Euh, donc sans plus tarder, on va partager rapidement une courte exhortation. Donc si euh, on peut prendre. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Voilà, on va partager comme ça une courte exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, histoire d'encourager, parce que les temps que nous traversons nécessitent que les chrétiens, encore plus que hier, sortent de certains comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, euh, qui n'aident pas notre société à avancer, qui n'aident pas l'Église à être influente, voilà, mais plutôt à être influencée. Et on a vraiment besoin de changer de mentalité. Voilà, l'exhortation que je vais partager, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, mais c'est des principes bibliques qui sont dans la parole, voilà, et que nous nous devons d'appliquer en tant qu'enfants du Seigneur. On aura l'occasion d'en revenir plus amplement dessus. Proverbe chapitre 22, le verset 13. Il est écrit. Le paresseux dit, le lion est dehors, je serai tué dans les rues. Je reprends, le paresseux dit, le lion est dehors, je serai tué dans les rues. On va aussi prendre Proverbe chapitre 26, le verset 13. Proverbe chapitre 26, le verset 13. Alléluia, gloire au Seigneur. On a lu Proverbe 22, verset 13. On va aussi lire Proverbe 26, le verset 13. Donc euh, voilà. Donc nous sommes en direct et on va partager une courte exhortation. Le paresseux dit Il y a un lion rugissant sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Au verset 15, on nous dit Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve fatigant de la ramener à sa bouche. Au verset 16, le paresseux est plus sage à ses yeux que ceux qui répondent avec du jugement. Voilà. Donc ici, la Bible nous parle à plusieurs reprises du paresseux. Et la Bible nous dit, un peu manger, un peu dormir, un peu croiser les mains, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Voilà. Et frères et sœurs, si nous sommes euh, un peu honnêtes avec nous, on peut constater qu'il euh, y a un mal dans l'Église, euh, dans l'Église, un hein, corps du Christ, pas seulement au Gabon, mais partout ailleurs, parce qu'on peut suivre les, les témoignages, on peut suivre les interpellations du Seigneur, on peut, on peut discuter avec des frères sur les réseaux sociaux, euh, voilà, ou des frères qui viennent rendre visite, ou lorsque le Seigneur nous accorde la grâce de voyager. Et on constate qu'il y a des mots qui sont un peu plus grands dans certains pays, dans d'autres un peu moins, mais les mots pour autant existent. Et le problème de la paresse existe beaucoup dans le milieu chrétien, au milieu du Gabon, et principalement en Afrique centrale. Voilà, il y a ce problème-là. Les chrétiens sont beaucoup paresseux. Paresseux. Alors, si l'équipe technique peut nous donner, peut nous aider à trouver la définition du mot paresse sur Internet, et on va lire un peu c'est quoi la définition d'un paresseux. Voilà, parce qu'on nous a dit le paresseux, il dit qu'il y a un lion. Hein, mais c'est quoi un paresseux hein, Donc, il y a l'animal qu'on appelle le paresseux, mais euh, trouvez-nous la définition du paresseux, homme paresseux. Un humain paresseux. On va voir et cette définition-là, selon le dictionnaire, va nous permettre de mieux comprendre c'est quoi la paresse. Et aussi, selon les Écritures, hein, on va essayer d'expliquer rapidement comment se manifestent, d'accord, les, les caractéristiques de la paresse dans le milieu chrétien. Donc, si les frères, vous avez trouvé, euh, alors paresseux. On nous dit, qui n'aime pas le travail, qui n'aime pas l'effort. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une autre définition encore en plus de celle-là On nous dit ici que c'est un paresseux. Voilà. Euh, qui, manque, qui marque, indique la paresse, l'indolence. Voilà. Et puis en dessous, c'est le paresseux, le mammifère, un hein, animal qu'on appelle le paresseux. Parce que quand vous observez le paresseux, comment il fonctionne, ben c'est vraiment l'attitude que certaines personnes humaines ont. Merci à vous. Donc, on nous dit que le paroisseur, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail, qui n'aime pas l'effort. Et c'est un phénomène que nous rencontrons au Gabon, avec beaucoup de Gabonais, pas tous, heureusement d'ailleurs, mais que nous rencontrons au Gabon, et que nous rencontrons malheureusement au milieu des enfants d'Elohim, des hommes et des femmes qui ont été sauvés, qui ont reçu l'esprit d'Elohim en eux, qui parlent en langue qui ont reçu des dons, qui reçoivent des visions, qui enseignent les Écritures, qui comprennent certains domaines des Écritures, mais qui, quant à ce qui concerne la paresse, sont encore en plein là-dedans. Et le message du Seigneur ce soir, c'est pour interpeller les uns et les autres, à chacun prendre conscience de sa position face à la paresse. On a lu dans Proverbes chapitre 22, verset 13 et Proverbes chapitre 26, verset 13. On a aussi lu le verset 15 et le verset 16 du chapitre 26 de Proverbes. Et on a pu voir que le paresseux, il dit qu'il y a un lion dans la rue. En fait, le paresseux trouve un motif pour ne pas faire quelque chose. Alors, le paresseux va trouver plusieurs motifs. Au Gabon, le paresseux va trouver le motif, il va donner, il va mettre le, la, la faute sur le gouvernement. Le paresseux va mettre la faute sur sa famille, il va mettre la faute sur quelqu'un, sur quelque chose. Et alors, comment se manifeste cette paresse, que ce soit dans le milieu chrétien comme dans le milieu non chrétien Parce que nous sommes gabonais, on a reçu une éducation, on a reçu une façon de faire, notre pays a vécu des beaux moments économiques, des booms économiques, et certaines facilités qu'il y avait ont développé une culture de la paresse non pas qu'il a été enseigné par le gouvernement que les gabonais doivent être paresseux mais les gabonais ont développé un esprit de paresse parce que il y a eu beaucoup de facilité dans notre pays il y a eu des moments difficiles ce n'était pas aussi forcément facile pour tout le monde mais il y avait plus de facilité que de difficulté. voilà donc comment cette paresse se manifeste-t-elle frères et sœurs ben c'est simple on n'aime pas le travail on n'aime pas le goût de l'effort. Vous allez me dire, mais comment, frère, tu peux dire on n'aime pas le travail alors que on cherche à déposer des dossiers dans les sociétés et on ne trouve pas Alors, dites-moi, selon les Écritures, donnez-moi un passage biblique qui dit que l'homme doit travailler uniquement que dans une entreprise. Il n'y a aucun passage biblique. Quand on regarde selon les Écritures, on se rend compte que les personnages bibliques vivaient essentiellement de la pêche, de l'agriculture de l'élevage. C'était essentiellement ça. Ils étaient agriculteurs et éleveurs. Ensuite, on a eu les pêcheurs. Ensuite, on a eu toujours dans les agriculteurs les gens, les les gens qui plantaient le, le fruit de la vigne, la vigne, d'accord, et qui faisaient du vin. Mais tout ça, c'est toujours de l'agriculture. Et on avait ceux qui faisaient l'élevage, qui élevaient les agneaux, ceux qui élevaient les, 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 les moutons, ceux qui élevaient les, les, les bœufs, ceux qui élevaient euh, les ânes, ceux qui élevaient les ceux qui, qui avaient les troupeaux de chameaux. Voilà, chacun faisait quelque chose. Ensuite, on a eu par la suite les chercheurs d'or, ceux qui avaient de l'or, ceux qui avaient de l'argent et tout le reste. Mais l'économie était essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage. Et d'ailleurs, lorsque notre Seigneur a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit, il l'a planté, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. On va lire Genèse chapitre, chapitre 2, je crois. Ou chapitre 1. Si vous pouvez m'aider à retrouver le passage où on nous dit le Seigneur va placer l'homme et il va le mettre dans le jardin. Je crois qu'on est au chapitre 1 et, euh, ou au chapitre 2, au début du chapitre 2. Je, je, je ne sais plus exactement. Donc, le Seigneur va placer l'homme dans le jardin d'Éden afin de le cultiver. Et là, on est à la création. Donc, l'homme n'a pas encore péché l'homme est encore en relation total avec le Seigneur, il n'a pas encore péché. Donc en fait la conséquence du travail, le travail n'est pas la conséquence du péché. Ce qui est qu la conséquence du péché c'est la difficulté à récolter, sans que le travail ne soit très difficile parce qu'on dit c'est la sueur de son front. Ça dit que le travail était faisable mais il n'était pas aussi pénible qu'il l'est aujourd'hui. Donc Elohim a créé l'homme pour le travail. Parce qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le garder, pour le cultiver. Donc nous avons été créés travailleurs. Donc un enfant d'Élohim qui a reçu l'Esprit d'Élohim doit pouvoir être un travailleur. Un enfant d'Élohim qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie, qui dit avoir le Saint-Esprit, ne doit pas et ne doit pas vivre dans la paresse. Ce n'est pas possible. Vous voyez Merci Seigneur. Alors, la Bible nous dit au verset 15 du chapitre 2 du livre de Genèse, donc Genèse chapitre 2, au verset 15. Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est pas moi qui invente, frère, c'est écrit. Voilà, pour le cultiver et pour le garder. Voilà, pour le cultiver et pour le garder. Ouais, on peut garder ce titre là hein? Donc, frères et sœurs, on se rend bien compte que Elohim avait créé l'homme pour pouvoir travailler. D'où vient aujourd'hui cet esprit de paresse qu'il y a ben, C'est simplement que la Bible nous fait comprendre que le Seigneur nous a créés, bon, juste, mais à cause du péché, beaucoup de choses sont rentrées. La paresse est rentrée, euh, le péché est rentré, la mendicité est rentrée, la ruse est rentrée. Euh, L'escroquerie est rentrée, voilà. La, la, la justification est rentrée. Donc, beaucoup de chrétiens dans les églises sont devenus des paresseux. Beaucoup. Partant, euh, même si je n'aime pas trop cette expression, mais c'est pour pouvoir illustrer, du simple chrétien qui n'a pas des responsabilités dans l'église à celui qui est appelé au ministère, on rencontre dans ces différentes catégories, dans les diacres, dans les anciens. Euh, dans les cinq ministères, dans euh, les chrétiens euh, sans responsabilité, des paresseux. Quand vous voyez un pasteur qui ne veut pas aller travailler et qui veut vivre des dîmes, c'est un paresseux. Parce que la Bible nous dit que c'est à la sueur de notre front qu'on mangera. Le Seigneur n'a pas dit, dit c'est à la sueur du front des autres. Vous voyez? Et quand on va demander à Yahushua dans Matthieu chapitre 19, euh, par rapport au divorce, il va dire, qu'il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pourquoi, pour qu'on puisse toujours se centrer, on a besoin de repartir au commencement. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il va les placer dans le jardin d'Éden. Pour le garder, pour le cultiver, il va leur demander de devenir féconds et d'emplir la terre. Vous voyez Donc, le travail est tout à fait naturel. Quand on voit un pasteur qui veut vivre des dîmes et des offrandes des chrétiens, c'est un paresseux. C'est un escroc. Soit il est escroc, soit il est paresseux. Vous voyez il y a des chrétiens, ils ne sont pas escrocs, mais ils sont paresseux. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas paresseux, mais ils sont escrocs. Oui. Quand vous voyez des frères et des sœurs qui euh, passent des longueurs de journée d'aller de maison en maison, aller partager des exhortations et attendre dans les maisons qu'on leur donne quelque chose à manger, ce sont des chrétiens qui sont paresseux. Alors, frères et sœurs, comment faire pour les aider On va voir quest ce que les Écritures nous disent par rapport à ce genre de chrétiens. Et cet esprit de paresse c'est beaucoup beaucoup ancré dans notre pays. Vous voyez, euh, aujourd'hui, quand vous discutez avec euh, quelqu'un qui a fini ses études, quand il a terminé ses études, déjà la première chose que généralement beaucoup font, parce qu'on discute avec beaucoup de jeunes qui ont terminé les études, c'est qu'ils rangent tous leurs livres, tous leurs bouquins, tous leurs cahiers dans un sac et souvent même ils les partagent, parce qu'ils estiment qu'ils ont fini, ils n'ont plus c'était tellement difficile qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'école. Ça, c'est déjà une erreur. Vous voyez Ça veut dire qu'en en fait, on a simplement fait quelque chose pour remplir une case, avoir un diplôme, et puis on va rester comme ça. C'est pourquoi, vous voyez, il y, a des, il y a des gens, ils travaillent, mais même sur le plan professionnel, ils ne s'épanouissent pas. Pourtant, ils sont chrétiens. Pourtant, ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne s'épanouissent pas. On n'a pas besoin de donner des dîmes et des offrandes pour avoir des promotions. Non. Pour avoir des promotions au travail, on a besoin d'être juste devant le Seigneur en faisant correctement son travail. Et si on fait correctement son travail, peu importe le temps qu va, que ça va prendre, on finira par avoir des promotions, par avoir la reconnaissance de son employeur. On n'a pas besoin de jeûner, on n'a pas besoin de prier pour ça, on a besoin de bien travailler. Pourquoi Parce que nos collègues qui n'ont pas le Seigneur ont des promotions, sans forcément faire des choses bizarres. Vous voyez Parce que sinon on va dire que toutes les personnes qui n'ont pas le Seigneur sont de mauvaise moralité. Ce qui n'est pas vrai parce qu'on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas le Seigneur, mais qui ont un niveau de moralité assez avancé, mais malheureusement n'ont pas le Seigneur. Donc par rapport au salut, ils sont en danger, mais par rapport à la vie de tous les jours, ce sont des personnes avec une moralité assez propre. Vous voyez donc, pour avoir une promotion, on a besoin de bien travailler. Or malheureusement, cet esprit de paresse fait en sorte que même les chrétiens, là j'anticipe un peu, les chrétiens qui travaillent déjà, Beaucoup sont paresseux, ne veulent même plus se former. Vous allez voir des chrétiens, ils sont là, ça fait 20 ans ils travaillent, ça fait 20 ans ils sont au même poste. Ils ne veulent même pas se former. Ils ne veulent même plus se former alors qu'il y a des possibilités aujourd'hui, grâce à Internet, de se former en ligne. La paresse est rentrée, la négligence, voyez, la passivité. On est devenu des chrétiens passifs. Ce qui fait en sorte que ces chrétiens-là, ils sont devenus tellement passifs que même lire leur Bible... Ils sont négligents, ils ont confié cette responsabilité à leurs dirigeants et en contrepartie, ils donnent de l'argent à leurs dirigeants pour les enseigner. Il est tout à fait normal que ceux à qui le Seigneur donne la charge d'enseigner enseignent. Nous ne sommes pas en train de dire le contraire. C'est ce que la parole dit. Que dans Ephésiens 4, on nous dit que les cinq ministères ont été donnés pour. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, ils doivent être enseignés. On est tout à fait d'accord. Mais on ne leur confie pas cette responsabilité en leur donnant de l'argent, en leur disant Nous, on est assis, lisez la Bible pour nous, venez nous enseigner. Non, chaque chrétien doit être enseigné par le Saint-Esprit d'abord. Et on est devenu des chrétiens tellement passifs. Pourquoi Parce que la paresse est rentrée. La paresse, même dans la lecture des Écritures. La paresse, même dans la, dans la prière. La paresse, dans beaucoup de choses. La paresse. Vous voyez Et cet esprit de paresse se manifeste comment ben, Vous allez voir les chrétiens, un chrétien, un jeune chrétien, une jeune chrétienne, ou même un chrétien âgé. On va d'abord prendre le cas des jeunes chrétiens. Vous avez des jeunes chrétiens qui ont fini les études, ils ont fait un master ou une licence ou un BTS, ou même parfois ils ont fait un centre professionnel, et à la fin de leur formation, ils ont déposé des CV dans des entreprises. Et malheureusement, non, ils n'ont pas encore été appelés. Même pas pour un entretien. Et ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils font Ils vont s'asseoir et ils vont espérer pouvoir trouver un boulot comme ça. OK. Dans un, dans un monde idéal, lorsqu'il y a beaucoup d'offres d'emploi, il est facile de trouver le boulot. Mais on voit bien que l'économie mondiale, d'accord, est sous tension depuis 2008. D'accord depuis 2008, l'économie mondiale est sous tension avec la crise des subprimes et toutes les crises qui ont, qui, qui ont suivi, d'accord, les crises financières, les crises économiques, les crises immobilières. Et là, avec le coronavirus qui a encore frappé, le monde, l'économie mondiale entière est en récession. Donc, la plupart des pays auront un, un, un produit intérieur brut négatif. Vous voyez Donc, ce ne sera pas possible de pouvoir créer des emplois en ce moment. Plus que beaucoup d'entreprises qui avaient des contrats avec des entreprises pétrolières, notamment, ont vu leurs contrats être suspendus. Donc, on est dans une situation où, en ce moment, espérer avoir un emploi n'est pas quelque chose d'aisé ou du moins espérer avoir un emploi sûr, sachant que les personnes qui ont l'expérience, qui sont sur le marché du travail depuis longtemps, qui ont déjà de l'expérience, sont à la recherche de l'emploi. Donc, il est évident que si on recherche des personnes qualifiées pour des postes, des techniciens, on prendra évidemment des gens qui sont déjà diplômés et qui ont déjà de l'expérience. Que faire, chrétien ben, Il faut repartir à tout ce qui est basique, l'agriculture, il faut repartir à la pêche, il faut aller pousser les brouettes, il faut faire le taxi. Il faut aller à la pêche, euh, il faut faire de l'élevage, il faut élever des porcs, élever des poules, il faut euh, faire du jardin derrière chez soi, il faut planter du piment, il faut faire quelque chose. Il faut aller au village en Dougou, demander au parrain capital de 100 000 à aller acheter la banane. Euh, il y a les pirogues, je ne sais pas si la route est déjà ouverte. Voilà, il y a des choses à faire. Avoir une petite table chez soi, il y a des choses à faire chrétiens. On ne peut pas rester comme ça et attendre. Que ce soit les autres chrétiens qui vous donnent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas juste devant le Seigneur. Ou encore attendre que ce soit vos parents qui vous donnent. Parce que parmi ces chrétiens, il y en a qui, par des erreurs du passé, on n'est pas en train de les condamner, ont eu affaire faire des enfants. Il y en a qui ont des enfants. Il y en a qui ont un enfant, il y en a qui ont deux enfants, qui ont trois enfants. Certes, aujourd'hui, vous êtes devenus chrétiens. Vous ne vivez plus une vie de désordre. Vous avez accepté le Seigneur. Vous avez rangé vos vies. Nous bénissons le Seigneur. Le message que nous vous disons c'est que vous n'allez pas attendre que vos parents prennent en charge vos enfants. Vous êtes mature, vous êtes âgé, vous êtes majeur, vous êtes responsable. Et quand on est responsable, on doit se battre pour pouvoir se prendre en charge. C'est ce que nous disent les écritures. Et ce message est identique pour les personnes âgées parce qu'on écoute beaucoup de gens qui disent "Oui, mais j'ai perdu mon emploi, frère, tu as perdu ton emploi, sœur, tu as perdu ton emploi. Nous sommes tristes pour toi." Mais est-ce que la vie va se limiter à ça Imaginons que la situation économique mondiale et de notre pays demeure la même pendant 20 ans encore. Qu'est-ce qu'on va faire, frère On va rester comme ça Alors que les chrétiens peuvent faire des coopératives agricoles, aller dans des villages, aller faire de l'agriculture et pouvoir même exporter à l'étranger. Des chrétiens peuvent s'associer, aller dans un village, faire des vergers. Vous voyez Faire de la mandarine, faire de la pamplemousse. Et justement, créer des églises dans les villages. Parce que dans les villages, il n'y a pas d'église. Dans beaucoup de villages, il n'y a pas d'église. L'évangile n'est pas annoncé là-bas. Donc, on parle même de réveil dans ce pays. Mais le réveil ne va pas forcément commencer en ville. Le réveil peut commencer dans un village. Mais on a tellement pris plaisir et on a été tellement formaté par le monde qu'aujourd'hui, nous avons pris plaisir à demeurer en ville. Frères chrétiens, je vous rassure, la Bible nous dit que nous avons été renouvelés dans notre intelligence. Sauf que beaucoup d'entre nous refusons de laisser cette intelligence renouvelée descendre dans nos cœurs. Vous voyez? Parce qu'il y a la connaissance et il y a la vie que cette connaissance doit produire dans nos cœurs. Et souvent, nous bloquons par nos forteresses, par nos raisonnements, la vie de l'Esprit s'imprégner en nous. Et c'est ça le problème des chrétiens. Vous voyez? Beaucoup de raisonnements, le paresseux dit, il y a un lion dans la rue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un motif. Toujours un motif. « Oh, mais ce n'est pas de ma faute, j'ai déposé les dossiers. » Oui, frère, tu déposes les dossiers après, on fait quoi Frère, regarde, tes parents sont en train de vieillir. Tu vas avoir la responsabilité de ta famille. Tu es peut-être l'aîné de ta famille. Que vas-tu faire le jour où tes parents ne seront plus là Tu vas abandonner le Seigneur parce que tu n'as pas un emploi Tu vas faire quoi Si tes parents n'ont pas eu l'occasion de te laisser des biens, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir une très belle situation sociale, tu vas faire quoi tu vas te prostituer, tu vas faire quoi Parce que la prostitution, c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Hein? Je ne suis pas en train de m'adresser uniquement aux femmes. Tu vas faire quoi Vous voyez, il faut qu'on sorte de cet esprit de passivité, de paresse, de négligence. Elohim ne nous a pas créés pour cela. Ce n'est pas une bonne chose. Les chrétiens doivent prendre conscience que le Seigneur nous a donné la capacité de travailler. Vous savez que l'école, le système de l'école et tout le reste, l'école a été inventée par, créée par Charlemagne, et Charlemagne lui-même, il n'a pas fait des études. Donc c'est un système qui a été mis en place pour faire ce qu'on appelle de la sélection sociale. Mais cette sélection sociale, telle qu'elle a été bâtie à l'origine, aujourd'hui, est en train de créer des inégalités très fortes. Oui, parce que le capitalisme s'est installé à l'époque du socialisme, encore ça allait, puisque les États se disaient, chacun doit avoir sa petite part, même si ce n'est pas beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le capitalisme, les actionnaires deviennent de plus en plus gourmands, demandent plus de rentabilité par rapport à leur investissement, ce qui fait en sorte que les managers ont beaucoup de pression et sont obligés de donner des petits salaires ou souvent de prendre une personne pour faire le travail de 3-4 personnes. Oui, parce que le capitalisme demande davantage. De retour sur investissement pour ceux qui investissent. Donc, frères et sœurs, ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent. Je suis désolé de vous le dire. Ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent. Si notre État va contracter des dettes, ne vous attendez pas à ce que les choses forcément s'améliorent. Pourquoi Parce que si l'État contracte des dettes, il faut que l'État rembourse les dettes. Vous voyez Et pour que l'État rembourse des dettes, il faut que l'État mette en place des mécanismes. Soit par. Euh, en relevant les impôts, soit en relevant les cotisations sociales, ce qui va augmenter certainement la masse salariale et si ça augmente la masse salariale au niveau des charges sociales, les employeurs auront du mal à recruter sauf si on a vraiment un gros boom économique. Ouais, mais si c'est la même activité économique telle qu'elle est là, ne vous attendez pas chrétiens. Commencez à chercher à mettre en place vos propres affaires. Mettez-vous à 2 à 3 à 4 à 5, mettez en place des petites activités pour aider notre pays à Traverser ces moments difficiles et vous aussi être des modèles. Regardez nos frères sénégalais, nos frères maliens, nos frères burkinabés, nos frères camerounais, nos frères sénégalais, nos frères, euh, je ne sais pas, qui viennent au Gabon, qui parfois arrivent, ils n'ont rien, ne savent même pas très bien parler français. Nos frères nigériens, ils arrivent, ils se battent, ils commencent par des petits métiers, laveur de voitures, Cireurs euh, de chaussures, gardiens, euh, débosseurs, vous voyez, et au fur et à mesure, vous allez voir, il va mettre un peu d'argent de côté, un peu d'argent de côté, un peu d'argent de côté, et ils arrivent à développer des activités jusqu'à ce que beaucoup, aujourd'hui, ont beaucoup d'investissements. On n'est pas en train de parler de prospérité, on parle de pouvoir se prendre en charge. Se prendre en charge. Oui. Et ça, c'est un problème dans le milieu chrétien. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens demandez leur même d'aller au marché, aller vendre même les torchons de bout debout. Ils ont honte des chrétiens, des gens qui ont été renouvelés par le Saint-Esprit, qui ont censé avoir laissé la honte de côté, parce qu'ils sont renouvelés par le Saint-Esprit, ils sont encore dans les complexes. Frère, les complexes là, <laughs> tu vas attendre, hein? Parce que lorsque Elohim décide de te briser, le Seigneur décide de te briser. Tant que tu n'auras pas compris, la Bible nous dit que devant lui un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour. Si le Seigneur veut te faire passer par des choses pour que tu comprennes, tant que tu ne seras pas passé par là, tu ne comprendras pas. Et tant que tu n'auras pas compris, le Seigneur n'ouvrira pas des portes. Vous voyez, c'est notre Père. Et en tant que Père, il veut le meilleur pour nous. C'est pourquoi le Seigneur interpelle quelqu'un aujourd'hui. Il interpelle quelqu'un maintenant à pouvoir se repentir de son attitude, de cette paresse de cette négligence, de cette passivité, de ce manque d'effort. De ce manque d'effort. Voilà. Il faut apprendre à faire des efforts. La Bible nous parle d'apprendre à faire tous nos efforts pour joindre à la foi, à la piété. C'est-à-dire que même dans le domaine spirituel, on fait des efforts. Pourquoi pas sur le domaine physique Pourquoi pas sur le domaine de la vie quotidienne On doit faire des efforts, frères et sœurs. Vous voyez On va prendre un passage... On va prendre 1 Timothée, 1 Thessalonicien, chapitre 2. Je crois au verset 12. 1 Thessalonicien, chapitre, chapitre 2. Alors, je recherche le passage. Ok, chapitre 2, on va lire à partir du premier verset pour mieux cerner. 1 hein. Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du premier verset. Merci les frères. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Ça, c'est Paul qui écrit. Hein. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu d'un grand combat. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impurité, ni de la tromperie. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim pour que l'évangile nous fût confié, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Car nous ne nous sommes, quand nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni vous ni des autres, alors que nous pouvions être un fardeau comme apôtres de Machia. Mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie d'entendre tendre amour ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Elohim, mais encore nos propres vies, tant vous étiez devenus chers. Car vous savez, vous, vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail dur et difficile, car c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile d'Élohim. Verset 10, vous êtes témoins, Elohim aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père, comme un père pour ses enfants vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de marcher d'une manière digne d'Elohim qui vous a qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ici c'est Paul, l'apôtre Paulos, Paul qui parle à l'église de Thessalonique et qui leur dit que voilà, il a été pour eux comme un père. Et quand il est venu au milieu d'eux, il n'a pas été une charge, un fardeau pour ces chrétiens, vous voyez. Il a il aurait pu le faire en tant qu'apôtre de Christ, mais pour donner un modèle il a travaillé dur, d'un travail dur et difficile, nuit et jour pour n'être à la charge de personne. Donc Paulos Paul était apôtre. Il a reçu un grand ministère, il a reçu des grandes révélations par rapport euh, aux épîtres. La plupart des enseignements que nous enseignons aujourd'hui sur l'église, c'est Paul qui les a reçus. Mais cet apôtre là, malgré les miracles qu'il faisait, travaillait c'est pourquoi on dit qu'un pasteur qui veut vivre des dîmes des fidèles, si un pasteur ne travaille pas et qu'il a ses propres affaires et que de temps en temps des frères poussés par le Saint-Esprit décident de l'aider, c'est une chose. Mais un pasteur qui décide de vivre d'un salaire fait dans son Église, c'est simplement un paresseux. C'est tout. Parce que vous, vous travaillez, nous, nous travaillons. Pourquoi d'autres pasteurs n'iraient pas travailler ou ne feraient pas leurs propres affaires vous voyez, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Pourquoi Paul, avec un si grand ministère, a travaillé Pourquoi Il travaillait. Pourtant, Paul savait que de temps en temps, il avait des frères qui lui envoyaient des dons. Il le dit clairement hein, qu'il a tout reçu, il est dans l'abondance. Il a reçu plusieurs fois des dons. Mais ça ne l'a pas empêché lorsqu'il allait de travailler. On va lire un autre passage dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. On est au chapitre 4. À partir du verset 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. Alléluia, gloire au Seigneur. 2 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 1. OK. L'équipe technique a peut-être un souci. Je vais lire chez moi. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur court et qu'elle soit glorifiée comme aussi chez vous. Et que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers. Donc, c'est au chapitre 4, pas le chapitre 3. Ah, c'est le chapitre 3, ah, désolé. Chapitre 3, désolé. Chapitre 3, désolé, c'est ça. Ok. Euh. Verset 2 Et que nous soyons délivrés des gens méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. Et nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous ordonnons. Mais que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour d'Elohim et vers la persévérance du Machia. Verset 6 Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous car vous savez vous-même comment il faut nous imiter comment il faut nous imiter donc celui qui a écrit cet épître demande de l'imiter et il s'agit de paul parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour, pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. On va d'abord s'arrêter là on garde le passage à l'écran. Ici, c'est encore Paul qui s'adresse à la même Église. Des Thessaloniciens à deux périodes différentes, il leur dit de se séparer des frères qui ne veulent pas, pas se séparer de façon absolue, hein, mais de pouvoir justement créer en eux cette, euh, cette prise de conscience pour qu'ils réalisent que leur façon de vivre, c'est une vie de désordre. D'accord Ensuite, il nous dit, quand nous apprenons qu'il y en a au verset 11, quand nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous, qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de choses insignifiantes. Mais nous ordonnons. Ceux qui sont tels et nous les exhortons par notre Seigneur Yahushua Mashiach à manger leur propre pain en travaillant avec tranquillité. Mais vous, frères, ne perdez pas courage en faisant le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à notre parole par le moyen de cette lettre, faites-le connaître et ne vous mêlez pas à lui afin qu'il éprouve de la honte. Et ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça veut dire, chrétien, que si vous voyez un frère qui est dans la difficulté et que, que vous aidez souvent, à partir d'aujourd'hui, dites-lui, frère, on va, on va faire une phase de transition, on va continuer à t'aider, mais il faut que tu réfléchisses sur quelque chose que tu peux faire avec un petit capital, même de 15 000, 20 000. Et à partir de là, vous l'accompagnez pendant un temps. Vous lui donnez un temps, vous lui dites on t'aider et on va, on va t'aider encore pendant 2-3 mois par exemple. C'est un exemple selon que le Seigneur va vous conduire. Et au bout de ce temps-là, si tu ne te bats pas, nous, on va couper les, va couper les ponts pour pouvoir aider quelqu'un d'autre qui va essayer de suivre. Vous voyez, pour que l'Église, les chrétiens soient vivants et que on puisse avoir une Église efficace et vivante. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'Église aussi n'influence pas à cause de quoi et À cause de ça. À cause de ça, vous allez voir aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui vont dans des administrations, où je ne vais pas citer les noms, euh, mais qui vont pour aller faire des, des demandes de dons, des demandes de ceci, euh, non pas des demandes de dons pour aider les pauvres, parce que ce n'est pas... Un, on peut le faire s'il faut aider des gens qui sont dans le besoin, mais qui vont faire des demandes de dons pour eux-mêmes, des demandes de dons pour des programmes et tout le reste. C'est vraiment une honte pour l'Église, ce qui fait en sorte que l'Église n'a pas d'influence dans le pays. Vous voyez? Quand les chrétiens, chaque chrétien prendra conscience qu'il peut être une pierre, d'accord, qui participe à l'édifice de son pays en étant un modèle pour la société, pas seulement en sainteté, mais aussi socialement, vous allez voir que l'Église aussi aura un autre impact dans la société. En dehors du fait de prier, en dehors du fait du gêner, en fait, en dehors du fait d'interpeller, de partager l'Évangile, nous aurons aussi un autre impact et aussi on pourra envoyer plus de missionnaires. Vous voyez? Donc, euh, frères et sœurs, c'était ce partage que j'avais à cœur de, de. que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pour nous interpeller les uns et les autres à sortir de cet esprit de, pas, de passivité, de paresse, de négligence qui mine notre société, qui mine nos églises, qui mine nos vies. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, c'était ça. Sortant de la paresse. La paresse est un péché. Voilà, c'est vraiment un péché, la paresse. Et lorsqu'on est paresseux. Euh, on peut finir en enfer. Vous voyez, on peut finir en enfer parce que la paresse va conduire à plusieurs choses. Ça peut conduire au mensonge, ça peut conduire à l'escroquerie, ça peut conduire à la prostitution, ça peut conduire à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc que le Seigneur soit béni, soyez béni chez vous, que le Seigneur vous garde. Si vous avez besoin de, de conseils euh, par rapport à ces, ces, ces éléments-là, il n'y a pas de souci, vous avez le numéro de la télé qui s'affiche constamment. Vous pourrez éventuellement appeler et on pourra vous donner des conseils par la grâce de notre Seigneur Joshua. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde et à très bientôt.